Bon, alors, on est parti. Donc, la Figuarts Zero, une gamme, qu'il y a chez Bandai. Il y a la couleur, notamment le Goku SSJ3, la Gogeta qui était totalement ratée. Gogeta SSJ, DBZ. Et donc là, on a cette Gogeta 4 qui est spécial collab. C'est écrit là, de toute façon. Spécial collab avec Dokkan. Apparemment, en tout cas, les prototypes avaient l'air bien. Bon, là, on la voit un peu de loin, mais... ça avait l'air bien, mais maintenant, on va voir si c'est bien en vrai. Voilà, c'est ça la vraie question. Je suis pas spoilé les ouvertures, là on a une image de la figurine photoshopée, mais bon. Et derrière, on a la carte, c'est beau en HD, regardez. Waouh. Ah, la retour en HD, il pète, hein. Ah ouais. Pourquoi c'est pas comme ça dans le jeu? Publicité mensongère, Bandai. Dans le jeu, c'est pas comme ça, hein. Il y a plus de pixels, hein. Il y a plus de pixels. Bon allez, trêve de suspense. Hein. Bon, la boîte est plutôt stylée. Hein. Mais ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Évidemment. Donc, ouais. Enfin, je crois que je l'avais acheté. Enfin, préco 80 ou 90 euros. Après, là, maintenant, bah forcément, c'était au Japon. Enfin, c'était boutique au Japon. Donc là, évidemment, il n'y en a plus. Je sais pas s'il y aura d'autres stocks. Je sais qu'elle sortira aux États-Unis. Mais en France, je sais pas s'il y a une sortie qui est prévue. Je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'encore une fois, on nous chie à la gueule, hein. La France, je suis pas sûr qu'il te sorti. Hein. Donc, ça pour dire que pour l'avoir, ça va être compliqué maintenant. Ok, oula. Aïe, c'est quand même assez... oui. Ah, est-ce qu'il y a du scotch aussi sur ces merdes? Ah, le plastoc, il est... Oui, ok. Ok, ok, ok. Ok, les gars. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, ouais, c'est gros, ça n'a pas été évident de bien vous montrer, mais enfin, moi, si, ça va, ça va. Mais bon, ouais, voilà. Bon, alors, je vous la montre de face. De toute façon, elle va être posée comme ça. Ouais, non, franchement, c'est... C'est plutôt pas mal. Ça va, voilà, elle sera posée en vitrine, elle sera comme ça, quoi. Tu la verras de face comme ça. Je vous montre un peu de plus près, mais après, il y a le truc qui va toucher, donc... Il est pas un peu trop ridé? Je suis d'accord. De toute façon, je l'avais vu déjà à travers la boîte. Franchement, si je devais reprocher un truc, ils ont un peu trop forcé le trait en dessous des yeux, en fait. En dessous des yeux, ils ont un peu forcé le trait. Du coup, ça, ouais, ça fait un peu cette impression. Mais bon, après, c'est un truc qui se voit vraiment si tu regardes le truc de très près, quoi, en soi. Parce que bon... Si tu regardes pas, si t'as pas le nez collé dessus, en vrai, ça se voit pas spécialement. Après, c'est vrai que quand tu regardes de près, ils ont un peu trop abusé sur le trait. Alors après, je sais pas si c'est la mienne qui est comme ça aussi. Elles sont toutes comme ça. Mais c'est vrai que le trait est un peu trop... Un peu trop marqué. Bon. Toutes? Bon, ok, bon, c'est... Alors les cheveux, franchement, alors je peux comprendre qu'on ait une impression plastique, mais en vrai... En vrai, ils sont pas mal, hein. C'est pas... Enfin, difficile à expliquer, mais... C'est... En fait, il y a quand même des... Enfin, ça se voit pas trop à la caméra, mais il y a quand même des nuances. C'est pas du rouge... Le rouge pareil. J'aurais pas comment vous expliquer, mais le brillant, là, il est beaucoup moins gênant à la caméra. Bon, avec la lumière et tout qui flash dessus. T'as vraiment cette impression, mais je vous jure qu'en vrai... Enfin, je vous jure, de toute façon, peu importe, mais... En vrai, ça rend bien. Non, en vrai, ça rend bien, vraiment. Jusque-là, la caméra, ça flashit pas mal, mais... Mais en vrai, c'est pas gênant, c'est plutôt bien fait, c'est assez quali quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors le pantalon, il est ultra bien fait, franchement, regardez. C'est bête à dire, mais il y a des... Enfin, évidemment, il y a du contraste. Il y a les plis, il y a une espèce d'effet texturé, bah, vêtement, vous voyez, un peu tissu. C'est super bien foutu. Enfin, c'est travaillé, quoi. Bon, heureusement, quoi, mais bon, voilà. Bon, la ceinture, c'est classique, mais il y a quelques nuances aussi, c'est pas une seule couleur. Au niveau des bras, bon, ça fait le taf, hein. Le torse, il est musclé, pareil, un petit peu contraste. Le petit gilet, ça dégueule pas, ça c'est pareil, hein. La peinture, hein, si on se souvient, vous vous souvenez de la Gogeta SSJ, mais ça dégueulait de partout. Ça dégueulait de partout, la Gogeta Super Saiyan. Là, ça dégueule pas, c'est propre. Après, au niveau des effets,
Bah, je trouve ça. Enfin, disons que l'ensemble rend plutôt bien. Je sais pas, habituellement, moi je suis pas trop fan des effets. Genre la Gogeta, je trouvais ça assez moche. Mais là, bon, on va dire que l'ensemble rend plutôt bien. Ouais, franchement, dans la vitrine, ça va péter quand même. Après, franchement, le Bing Bang Kamehameha, il est plutôt bien fait. Bah, franchement, ça va. J'étais un peu sceptique là-dessus. Je me dis, je sais pas si je vais vraiment aimer. Mais franchement, ça va. Mais bon, overall, elle est vraiment bien. Voilà, après, parce que bon, encore une fois, les traits, tu vas pas coller ton nez dessus. Normalement, bon, c'est pas trop gênant, quoi. Mais... Voilà, franchement, par rapport aux autres figures de zéro, bah, celle-ci est plutôt bien. Après, j'avoue que la couleur, quand même. Petit rappel de la dernière figure de zéro, c'était celle-ci. La Goku SJ3. Et franchement, celle-ci, c'est vraiment une masterclass. Mais genre de A jusqu'à Z. DBZ. Alors voilà, franchement, même si j'adore Gogeta SJ4, celle-ci est meilleure. Je veux dire, overall, elle est meilleure. Franchement, le dragon, il est sublime. Le SJ3, il est parfait. Voilà, c'est... Franchement, il n'y a pas à dire. Celle-ci, bah, c'est le même prix. Hein. Alors après, je sais pas si elle est encore dispo. Il n'y a pas de hit. Il n'y a rien en hit. Voilà, celle des SJ God. Franchement, non mais de toute façon, je le répète, mais... 20€ pièce, 35€ l'ensemble. Elles sont vraiment bien. Franchement, on a validé déjà. C'est les plus belles figurines d'anniversaire qui jusqu'à maintenant. Et donc, la couleur quand même, Figuard 0. Alors là, c'est un sacré bordel. Bah, il est à l'écran, JD World. Enfin, je sais pas s'il y en a encore, mais je pense que oui. Mais la couleur, et alors là... les gars... Alors là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est incroyable.